Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Je profite de cette petite sortie pour vous faire passer un petit message, surtout pour mesdames, pour les coureuses. En ces temps de confinement, vous avez sûrement envie, je le comprends tout à fait, de partir seul et de partir courir. Vous aérez la tête. Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée pas plus tard que ce matin à ma femme. Pareil, elle était partie pour, je sais pas, 5-6 km autour de la maison. Mais comme le confinement est dur, voire très dur pour certains hommes, les rencontres sociales sont complètement inexistantes. Donc pour certains, la frustration peut monter assez rapidement en psychose, en folie. Alors, la petite histoire, elle était en train de courir près d'un petit village. Bon, il n'y a pas beaucoup de passages dû au confinement. Une voiture bleue, à peu près un utilitaire bleu, passe à toute allure devant elle, la voyant, fait un frein à main et carrément fait demi-tour pour, en accélérant, pour se rapprocher d'elle. Alors je ne sais pas, après on peut extrapoler, lui demander si elle connaissait une pharmacie ou la gendarmerie, mais je ne pense pas que c'était pour ça qu'il allait l'accoster. Heureusement, on a pu se rendre chez un des voisins qui était là, qui était dehors, qui a vu la scène comme elle, qui était témoin de la scène et qui lui a dit de venir s'abriter quelques minutes le temps que ce lascar s'en aille avec ses élucubrations. Voilà, donc soyez au courant mesdames, c'est pas parce que la police est un peu plus dehors à regarder nos papiers qu'elle sera entièrement là pour vous protéger. Il y a quand même des dingues qui se baladent, donc faites gaffe à vous, faites gaffe à vos filles, enfin faites gaffe tout le monde, on n'est pas à l'abri d'un 5D. Voilà, sur ce, on arrête cette paranoïa et on se retrouve à très vite pour des vidéos un peu plus fun. Tchuss, salut tout le monde.